Question 5. The diagram shows the curve with parametric equations. On a deux équations. Première là, les x in terms of theta. Et deuxième là, les y in terms of theta. Et qu'il nous donne une condition qui theta besoin in between, negative pi by 2 and pi by 2. Partie A shows that the gradient of the curve at the point with parameter theta is given by this expression. Alors, gradient of curve, nous gagnons pas dy by dx, c'est notre différentiel d'équation curve, mais si nous équation les paramétrique. Alors, première équation, x égale tan of theta, nous rôde dx by d theta, tan of theta can differentiate even sec square of theta. Next, y égale cos square of theta, y égale cos square, nous capable écrire comment cos of theta power 2, et coefficient devant les n. Alors si nous appliquons chain rule, dy by d theta pour venir coefficient fois power fois, nous copier bracket power pareil, nous retire n de power fois dérivative de bracket là vient négative sine of theta, nous simplifier pour venir négative 2 sine of theta cos of theta. Next, nous nous pérode dy by dx, nous say include theta là-dedans, et pour venir dy by d theta multiplié par d theta by dx. Next, dy by dx qui peut venir. Dy by d theta nous analyse. Dy by d theta négative 2 sin of theta cos of theta multiplié par la levée de manu d theta by dx, mais nous avons dx by d theta. Nous faisons ce réciprocal, divin 1 over sec square theta. Divin négative 2 sin of theta cos of theta fois 1 over sec of theta living cos theta. Alors 1 over sec square of theta vin cos square of theta. Ici nous avons cos theta qui est multiplié avec cos square de theta. Living négative 2 sin theta cos theta fois cos square theta fait cos power 3 theta. Alors ça nous tient pour ce de première partie. Partie B. The gradient of the curve has its maximum value at point P. Find the exact value of x coordinate of point P. Alors, il y a un point P ici, nous avons besoin de sur x coordinate. Et comment nous pouvons sur x coordinate? Qui est l'information de nous? Qui, côté ça point P là, il y a un maximum gradient côté ça point P là. Alors, gradient ici, le maximum. Ok, nous apprenons le chapitre application of differentiation. C'est déjà toi, at maximum value of, par exemple, v, nous apprenons qui dv by dx besoin égale 0. Nous apprenons si j'ai at maximum value of a, dA by dx égale 0. Mais ici, nous demandons maximum gradient. Ok, et at maximum gradient qui peut arriver, même format, d gradient over dx, ça peut besoin égale 0. C'est nous differentiate li. Alors, gradient, nous gagnons pas dy by dx. Alors, d by dx of dy by dx pour besoin égale 0. Ok. Et de partie A, nous finirons. Nous répondons partie B. De partie A, nous finirons dy by dx. Nous gagnons négative 2 sin of theta cos power 3 of theta. Next, nous pouvons redifférencier d by dx of dy by dx pour égal. À droite, nous pouvons d by dx de négative 2 sin theta cos cube of theta. Et ça pour besoin égal 0. Next, ici vous trouvez que nous pour besoin applique product rule, ça nous prend les u. Next, ça part, ça nous prend les v. Mais avant de differentiate une observation qui nous variable ici les theta, mais nous peut differentiate with respect to x. Alors nous pour besoin applique un chain rule, pareil comme je peux faire de chapitre implicit differentiation. Nous differentiate normal with respect to theta. Cette expression là. Là, nous multiplions par d theta by dx. Là, ça pour égal 0. Next, Aston applique le product rule. Ça, c'est u, ça, c'est v. Alors, product rule, il peut venir u. U, il est négatif 2 sin of theta fois dv by d theta. Il peut venir 3 cos square of theta fois négative sin of theta. Plus, next, nous pouvons faire v. V, il est cos cube of theta fois du by d theta, il peut venir négatif 2 cos of theta. Next, nous pouvons multiplier avec d theta by dx, ça nous trouver de partie A,
qui dit theta by dx is even 1 over sec square of theta. Et 1 over sec square of theta, ça devient cos square of theta. Alors, d theta by dx pour venir cos square of theta, et ça pour égal 0. Next, nous pouvons simplifier, nous pouvons venir 6. Ok, nous pouvons venir positif 6, négatif 2 fois 3 fois négatif n. Et là, nous pouvons sine square of theta, cos square of theta. Et ici, plus, moins, pour venir moins, avec un 2, divin négatif 2, cos cube fois cos, venir cos power 4 of theta, fois. Cos square of theta, ça égale 0. Next, qui nous capable de faire ici? Nous capable de factoriser cos square encore dans la bracket là. Nous tirons l'idée au cos square. Et que pour multiplier avec ça, cos square là, il vient cos power 4. Alors, il vient cos power 4 of theta. Et à gauche, vous pouvez trouver pour 6 sin square of theta minus 2 cos square of theta. Et ça pour égale 0. Next, nous faisons A et O. As 6 sin square of theta minus 2 cos square of theta égale 0 ou cos power 4 of theta égale 0. Next, nous simplifions n par n, sa equation là, living 6 sin square of theta égale négatif 2 cos square of theta, on avait à droite, et puis 2 cos square of theta. Next, qui peut arriver, cos square of theta, on avait à gauche, sin square of theta, nous laissons la même, 6 on avait à droite. Alors, nous avons 6 sin square of theta over cos square of theta égale. Nous avons 6 à droite, nous avons 2 sur 6. Next, sin square over cos square fait tan square of theta égale 2 sur 6 fait un tiers. Next, nous avons square à droite, nous avons tan of theta égale plus ou minus square root un tiers. Nous qui angle pour venir tan inverse de square root de un tiers. Nous mettons nos calculatrices dans mode radian, là nous rôde. Tan inverse de square root de n tiers qui vient pi by 6. Mais ici, vous pouvez trouver qui est, où valeur tan ni positive et négative tous les deux. Alors, nous avons besoin de choisir tous les 4 quadrants. Alors, premier, deuxième, troisième et quatrième. Alors, nous redis ici. Alors, nous avons valeur theta qui nous gagne. Premier quadrant, nous laissons qui angle. Deuxième quadrant, nous supposons faire pi. Retirer nous qui angle de pi by 6. Réponse pour venir 5 pi by 6. Notre troisième quadrant, nous supposons faire pi plus pi by 6, et vous venez 7 pi by 6. Et notre dernier quadrant, et vous venez 2 pi minus pi by 6, et vous venez 11 pi sur 6. Next, vous pouvez qu'il y a où valeur theta besoin de sa range là. Et 10 valeur pi by 6 qui trouve dans sa range là. L'autre bande là, supposément besoin reject. Mais vous pouvez trouver que votre domaine est extend, il y a avant 0, il y a les mêmes négatives. Alors, ça va une réponse qui nous peut reject là. Nous essayons de retirer 2 pi, nous avons une possibilité de capable de venir dans le domaine qui nous donne. Vous pouvez trouver ça de là pas pour bon, mais si vous faites 11 pi by 6, si vous faites 11 pi by 6, ou retirer 2 pi, vous pouvez trouver une réponse là pour venir dans ce domaine là. Alors, ça peut venir négative pi by 6. Alors, des réponses theta peuvent venir pi by 6 que nous acceptons et négative pi by 6. Ok, ça veut dire négative pi by 6. Rappelez bien, nous ne pas retirer une réponse directe. Nous gagnons un coup si nous capables avec ben oscillation, nous ajoutons des pi ou soit retirer des pi. Il y a une possibilité que nos réponses trouvent dans sa domaine qui nous donne là. Nous trouvons sa réponse qui nous supposait reject là. Quand nous retirons des pi ou réponse trouve dans sa domaine là. Alors, nous gagnons deux valeurs theta ici. Next, pas oublier, c'est une deuxième équation. Cos power 4 of theta égale 0. Cos of theta pour égale power 4, nous avons à droite, nous pouvons une fourth root of 0. Cos of theta pour une fourth root of 0, vint 0. Nous qui angle pour une cos inverse of 0 qui vint pi by 2. Next, ici nous trouvons qui cos les 0. Et quand nous pouvons choose, nous venons quadrant, nous pouvons choose tous les 4 quadrants. Alors, nous checkons les endpoints. Theta égale. Premier quadrant, nous laissons qui angle. Deuxième quadrant, si nous prenons pi retire nous qui angle pi by 2, réponse pour une pi by 2 même. Troisième quadrant, nous pouvons besoin prendre pi plus pi by 2, divine 3 pi by 2. Et dernier quadrant, nous prenons 2 pi retire pi by 2, divine 3 pi by 2. Et que vous trouvez que tout ça va nous répondre à pi by 2 et pi by 2, nous ne pouvons pas apprendre. Qui fait pi by 2, il trouve de boundary, mais il n'est pas include parce que c'est equal to inequality, veut dire nous pouvons besoin reject. Et même si vous pouvez retirer 2 pi, retirer 2 pi, ou réponse pas pour venir dans le domaine qui besoin, alors nous reject ça de là. Le D réponse A aussi n'est pas trop dans nos domaines. Si nous retirons 2 pi, retirons 2 pi, tous les deux, vous pouvez trouver là aussi n'est pas venu dans nos domaines. Alors, ça, équation là, nous ne pouvons pas accepter aucune réponse.
Alors, qui des réponses nous peut gagner theta égale pi by 6 et theta égale négative pi by 6. Mais question déjà donne valeur x. Alors, nous ne pouvons pas remplacer la valeur theta là ici de sa première paramétrique equation là. Alors, nous avons une valeur x qui nous peut gagner. X égale tan of theta. Nous remplaçons nos valeurs theta par pi by 6. Si nous faisons ça, on peut trouver qui, quand nous remplaçons pi by 6, c'est tan of pi by 6. Nos réponses peuvent root 3 sur 3. Next, si nous pour remplacer nos valeurs theta par négative pi by 6, on peut trouver que nos réponses peuvent être négative root 3 sur 3. Mais il define the value of x. Alors, si nous observons bien, il y a deux observations qui nous sont capables de faire. Première, nos valeurs x sont trouvées avant origine. Alors, si c'est avant origine, nous pouvons rejeter sa positive value là, ou valeur x vient ça. Alors, ou answer, il pouvait x égale négative root 3 sur 3. À cause de valeur x qui paraît négative. Next, ça c'est un cas qui fait un peu rejeter l'autre valeur là, parce que tout procédure est trouvé correct. Ok, qui fait une raison, c'est à cause de valeur là, va être positive, parce qu'il est à gauche, il est négative. Mais qui fait nous pouvons rejeter, qui fait nous gagner sa réponse là, comment nous sommes capables de discuter le haut là. Rappelle bien qu'il nous travaille avec maximum gradient qui dérivative là égale à 0. Mais aussi avec minimum gradient aussi, sa dérivative là vient 0. Alors, pour minimum gradient là, qui nous donne sa réponse là. Parce que si vous guettez bien, avec x is equal to root 3 sur 3, et un point ici, et ici, il y a minimum gradient. Alors, minimum gradient, c'est même qui dérivative là, quand vous mettez égale à 0, vous gagnez sa réponse là. Mais nous pouvons cause avec maximum point. Ok, maximum gradient, sorry. Maximum gradient. Alors, maximum gradient. Vous pouvez trouver M, il y a à gauche ici. Alors, nous pouvons penser à une négative value. Là. Ça, là, c'est pour minimum gradient, ça, là, maximum gradient. Mais question, il y a maximum value. Alors, nous, answer final, qui est là. X égale négative root 3 sur 3. Question 6. The complex number U is defined by U is equal to 7 plus I over 1 minus I. Express u in this form, where x and y are real. Alors, ici, nous avons un complex number, u, partie a, u égale 7 plus i sur n retiré i. Alors, pour nous faire vivre dans ce format-là, nous avons besoin de faire nos dénominateurs in real. Pour ça, nous avons besoin de multiplier avec dénominateur-là ce conjugate, là où est en bas. Alors, si nous faisons ça, u pour vin, là où nous multiplions, nous avons 7 plus i qui peut multiplier avec n plus i. Et dans le dénominateur, nous avons n retiré i qui peut multiplier avec n plus i. Next, u pour vin, nous expand. 7 fois n fait 7 plus 7 fois i fait 7i. Next, i fois n fait plus ni. Et i fois i fait i square. Next denominator, là nous appliquons difference of two squares, qui peut n ce square retiré, i ce square. Alors nous continuons à simplifier, u peut 7 plus, là nous avons deux like terms, 7i plus n i fait 8i, plus i ce square fait négative 1, over, en bas, n ce square fait n retiré, i ce square fait négative 1. Alors u peut 7 plus 8i, ici plus moins peut venir moins, divine moins n. En bas, dénominateur pour une n, négatif, négatif pour une positive 1. Alors, u pour une 7 retiré n fait 6 plus 8i, et dénominateur est à n plus n. Et n plus n, nous sommes capables de travailler direct. Alors, u pour une 6 plus 8i sur n plus n fait 2. Next, dénominateur là, nous partageons avec tous les deux tm de numérateur. Alors, si nous faisons ça, 6 divisé par 2 fait 3, plus 8i divisé par 2 fait 4i. Alors, nous faisons venir dans le format qui nous a nous fait et x et y nous trouvons, c'est real. Partie B, show on a sketch of an organ diagram the points A, B and C representing U, 7 plus I et N retiré I. Alors, nous organisons. Alors, partie B, nous pouvons dessiner un organ diagram. Rappelez bien, nous pouvons représenter U et U, nous faisons venir dans le format. U de ce format de partie A, et c'est 3 plus 4i. C'est 3 plus 4i, et que ça peut représenter point A. Alors, point A peut représenter point 3 plus 4i, parce que nous avons respectivement, nous besoin suivre ça l'autre là. B, point B, il pour 7 plus i, et point C pour représenter par n retiré i. Alors, nous représentons ce point là d'un organ diagramme. Ça, c'est un organ diagramme. Et d'un organ diagramme, horizontal axis, c'est real axis. Vertical axis, c'est imaginary axis. Et qui nous représente?
premier point A de 3 plus 4i, le 3 plus 4i, approximately de positif, ça c'est point A. 3 plus 4i, ok? Nous capable faire un petit scale si j'ai envie. 3 plus 4i, ça c'est point A. Next, point B de 7 plus i. Alors 7 plus i, si nous faisons 7 plus i, fais-moi 7 dit par ici. I dit par ici. Alors 7 plus i, ça c'est point B. Next, point C. Li n retiré i, ça veut dire n retiré i. N, non le n pas ici, n. Avec retiré i du pouvoir là. Et n retiré i, ça c'est le point C. Alors nous trouvons li, ça c'est point A. Point A m'aurait représenté là, ça c'est point A. Next, point B li ici. Et point C, il trouve juste en bas. Next part C. By considering the arguments of 7 plus i et n retiré i show this expression. Alors là-haut, je trouve qu'il y en a u. Si ça point u là, rappelle bien u. Si nous retenons ce argument, argument de 7 plus i sur n retiré i. Alors nous retenons ce argument. Et que ça, ce argument nous connaît, nous apprenons qui argument de a over b. Ça devine argument de A minus argument de B. Je vais répondre par ici. Alors ici, il devine argument de 7 plus I retiré argument de N retiré I. À ce test, 7 plus I sur N retiré I, ça nous trouve, ça nous finit simplifié. Ça c'est U au fait. Et nous dit simplifié, nous trouvons, nous devine 3 plus 4 I. Alors, ce argument, il faut parler comme argument de 7 plus i, retiré, argument de n, retiré i. Alors, ici, vous pouvez trouver qui, l'india, consider the argument of 7 plus i et n retiré i, qui ne peut consider cet argument. Alors, nous avons cet argument. D'abord, 7 plus i, nous avons argument de 7 plus i, ça peut représenter par point b. Alors, b, nous peut représenter par 7 plus i, mais on peut envie qu'un argument de 7 plus i. Alors, qui est pour venir? Nous vous inquiétez dans nos organes diagrammes côté situé. 7 plus i est pour ici, il est dans le premier quadrant. Alors, dans le premier quadrant, vous connaissez pour un argument, nous faisons tan inverse de ce imaginary part, le n, sur ce real part, le 7. Alors, ça est pour venir. Tan inverse de n sur 7, et puis dans le premier quadrant. Next, argument de n retiré i. N retiré i nous peut représenter par c. Alors, c lit n. Retiré i, et dans l'organe diagramme, vous trouvez qui dit n retiré i, dit dans quatrième quadrant. Alors, dans quatrième quadrant, si on veut gagner ou argument, ça va être argument de n retiré i. Alors, nous prenons le real part, devine tan inverse, devine tan inverse de sa distance, sa distance, ça, n, sur sa distance, ça, n, parce que si nous faisons un triangle, il faut venir un right angle triangle. Ok, sur so opposite et adjacent pour n, devine tan inverse de n sur n. Mais à cause du trouve dans quatrième quadrant, nous pouvons mettre un négatif devant. Ok? Alors, nous pouvons négatif tan inverse de n sur n fait n. Next, à cet argument de 3 plus 4i. Et qui dit dans premier quadrant, alors nous pouvons tan inverse de imaginary part de 4 sur 3. Et que ça même ici, ça nous prouve, alors tan inverse de 4 sur 3. Tan inverse de 4 sur 3 pouvait être tan inverse de n sur 7. Et négatif, négatif, une positive. Et à droite, il y a une tan inverse of n. Et ça, tan inverse of n, là, si nous évaluons, nous pouvons trouver une pi by 4. Alors, réponse finale, il y a une tan inverse de 4 sur 3 égale tan inverse de n sur 7 plus tan inverse de n faire pi by 4. Et ça, même, il y a une chose de partie C.